Alors, je m'appelle Vincent Viala, je suis pianiste, mais j'ai une passion, c'est le jardinage, c'est-à-dire, le jardinage est plutôt la nature, le rapport qui peut exister entre les humains et notamment leur nourriture. C'est-à-dire que moi, j'aime le jardinage, mais j'aime surtout le jardinage qui nourrit. Et donc là, on est dans mon jardin, on est dans mon potager. Et depuis à peu près 4 ans maintenant, je me suis intéressé par goût et par envie à la permaculture. La permaculture, qu'est-ce que c'est ? C'est imiter le fonctionnement des écosystèmes naturels, c'est-à-dire par exemple le fonctionnement d'une forêt. Une forêt, il n'y a pas de jardinier, et pourtant il y a plein de trucs qui poussent dedans. Bien, mon potager, c'est un peu comme une forêt, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui poussent spontanément d'année en année dans mon potager, et des choses que je réintroduis d'année en année aussi. Vous voyez, par exemple, les facélies, là où il y a le petit bourdon là, qui est en train de voler, là, ça, c'est des plantes qui ont repoussé spontanément. C'est pour ça que vous avez, par exemple, les petites facélies qui sont toutes serrées. Comme j'avais pas grand-chose à faire dans cette butte-là, eh bien, voilà, c'est reparti, ça repart tout seul. Alors, l'idée générale étant donc de s'inspirer de la nature, et dans la nature, par exemple, on n'est pas toujours en train de sortir des bêches pour retourner la terre, ça n'existe pas. Donc ici, je ne retourne pas la terre. Par contre, ces jolies plantes qui s'appellent des facélies, permettent de fixer l'azote dans le sol. Donc ça m'évite notamment de mettre des engrais ou des choses que je devrais apporter par ailleurs. Là, naturellement, ça se fait. En plus, c'est très sympa parce que ça attire tous les pollinisateurs. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours, on essaye toujours aussi de mettre des fleurs, parce que du coup, ça permet de polliniser par exemple les courgettes qui sont là, même si là c'est un peu la fin de la saison, donc elles sont un peu fatiguées. Ça bosse ensemble comme dans la nature. Ici, on est devant le plan du jardin partagé, parce que je vous ai parlé de ma passion. Alors ça, c'est plutôt à titre individuel. Mais depuis 2 ans, on a lancé avec les habitants de mon village, Saint-Hilaire, Saint-Mémin, l'idée d'un jardin partagé. Donc là, on est devant le plan du jardin partagé qui s'appelle BioVélo. Mais ce qu'il faut surtout retenir de ce jardin, c'est qu'il est géré par une association qui s'appelle le Coquelicot, donc une association qui chapeaute le jardin. Et le jardin partagé étant une des activités liées à l'association. Alors ce jardin BioVélo, pourquoi BioVélo? Parce qu'il a une forme de vélo, c'est-à-dire qu'ici vous avez la grande roue du vélo qui correspond à toute la partie qui est ici, un petit peu plus loin, et derrière la petite roue, derrière moi, et la cabane étant représentant un petit peu la selle du vélo. Alors jardin, il est divisé en petits camemberts ici. Chaque petit camembert représente un mois de l'année. Donc le premier camembert ici, il s'appelle mai. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc il fait tout le tour, il symbolise un an de culture. Donc c'est assez pratique parce que comme c'est un jardin collectif, où chacun est autonome, ça permet de se laisser des messages du style « j'ai planté des carottes dans le mois de mai, là attention j'ai fait un semis de salade à cet endroit-là » et ainsi de suite. J'espère que vous aurez envie de venir nous rendre visite
à Saint-Hilaire-Saint-Mémorin et découvrir notre jardin à côté de la mairie. En tout cas, voilà, c'était un plaisir de vous faire découvrir cet endroit. À bientôt.